Bonjour, le but de cette vidéo, c'est de réussir à calculer le résultat de cette addition 8 plus 7. Donc on cherche à quoi cette addition-là est égale. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est que tu essayes de le faire de ton côté avant de regarder comment on fait. On regardera ça ensemble plus tard. Je peux te donner quand même une petite aide. C'est que tu pourrais utiliser des boîtes de 10. Voilà, tu vois, ça, ce sont des rectangles. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque rectangle est divisé en 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis ici, c'est exactement le même, donc il y a 10 cases aussi. Et donc en fait, on peut représenter chacun des deux nombres qui sont ici en utilisant ces rectangles qui sont là. Donc par exemple le 8 qui est là. bien pour le représenter, je vais utiliser ce rectangle-là et je vais choisir 8 cases parmi ces 10 qui sont là. Donc par exemple une... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis je vais faire la même chose pour le nombre 7 qui est ici, je vais le représenter ici, donc je vais sélectionner 7 cases 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc l'opération qui est ici, 8 plus 7, on peut essayer de la calculer en utilisant ce dessin-là puisque ici on doit avoir 8 plus 7. Donc en utilisant cette représentation, tu peux maintenant mettre la vidéo sur pause et essayer de faire ce calcul tout seul. Alors on va le faire ensemble maintenant, et en fait pourquoi j'utilise ces rectangles-là Eh bien ce sont des rectangles de 10 cases on a dit, et en fait ils vont nous aider à faire des paquets de 10. Donc plus précisément comment est-ce que je peux faire pour remplir complètement ce rectangle qui est ici alors, tu vois, on a deux cases vides ici, et ce sont ces deux cases-là que j'aimerais pouvoir remplir. Alors, pour les remplir, ce que je peux faire, c'est prendre deux cases ici. Je vais désélectionner deux cases ici, et je vais plutôt sélectionner deux cases là. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je peux par exemple enlever celle-là, et celle-là, je vais la mettre ici. Et puis, je peux aussi par exemple enlever celle-là. Voilà. Et. Du coup, je vais la mettre ici. Alors, je répète, hein, ici, je, en fait, je n'ai pas supprimé deux cases, je les ai juste déplacées. Elles étaient sélectionnées dans ce rectangle-là, et je les ai déplacées dans ce rectangle-là. Donc, je n'ai pas changé le nombre de cases sélectionnées en tout ici, je les ai juste réorganisées différemment. Ce qui est important ici, c'est que finalement, j'ai toujours le même nombre de cases sélectionnées. Alors, pourquoi ça nous aide ça eh bien, tout simplement parce que ici, j'ai finalement 10 cases sélectionnées. Donc, ici, en fait, j'ai représenté 10. Et puis, ici, dans ce rectangle-là, eh tu vois que j'ai la moitié des cases qui sont sélectionnées. Ou, autrement dit, j'ai 5 cases qui sont sélectionnées. Donc, ici, j'ai 5. Et finalement, tu vois que cette opération-là, 8 plus 7, eh bien, je l'ai réorganisée différemment et elle est égale à 10 plus 5. Et ça, je pense que tu sauras que 10 plus 5, ça fait... 15. Et bien sûr, tu peux vérifier que c'est bien ça tout simplement en comptant le nombre de croix qu'il y a au total. Alors, il y en a 10 ici dans ce rectangle-là. 11, 12, 13, 14, 15.